Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Je vous retrouve donc aujourd'hui autour de l'unique arbre fruitier du jardin, du potager. Il s'agit donc d'un pommier. Comme vous le voyez, c'est une forme palissée. Alors à l'origine, c'était un double U, donc le U intérieur ici, et le U extérieur ici et là. Et c'est pour ça que je l'ai récupéré. Il partait à la benne en fait. Hein. Je l'ai récupéré parce que les deux branches du U extérieur étaient cassées. Donc je vais m'attacher à le reformer. Ce sera pas bien difficile. Alors de quoi il va être question aujourd'hui? Peut-être tout d'abord de l'alternance, puisque je constate que ce pommier est couvert de pommes. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et on peut vraiment imaginer que l'année prochaine, ce ne sera pas le cas. La plupart des fruitiers à pépins, pommiers, poiriers, mais également quelques fruitiers à noyaux, alternent. C'est-à-dire que la production va être très importante une année et presque néante, en tout cas bien amoindrie l'année suivante. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Eh bien, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça, des phénomènes physiologiques hein, qui tiennent au fonctionnement propre de la plante. D'abord, vous voyez ces jeunes rameaux là, qui vont constituer, si j'y touche pas, la charpente de l'année prochaine, et puis l'arbre va reprendre une forme, je dirais, tout à fait classique. Ces rameaux sont alimentés évidemment par une partie de l'énergie de la plante, hein, par le biais de la sève. Sauf que au moment où les pommes sont en train de se développer comme ça, eh bien, elles consomment elles-mêmes, elles exigent beaucoup de cette énergie. Et c'est de l'énergie qui, sur ces rameaux-là, ne va pas alimenter les futurs bourgeons à fleurs. Hein, vous vous souvenez, hein, il était question des méristèmes il y a pas très longtemps. Je vous ai parlé des méristèmes, et certains de ces méristèmes vont déterminer si tel ou tel bourgeon deviendra un bourgeon à bois ou un bourgeon à fleurs. Eh bien, à défaut d'énergie, on aura plus de bourgeons à bois et moins de bourgeons à fleurs. Cette énergie étant prélevée par les futures pommes. Ça, c'est une première chose qui explique l'alternance. La deuxième chose, c'est que les pépins contenus dans ces pommes vont libérer, là encore, des hormones. Une fois encore, les hormones sont en cause. Il s'agit de gibbérelline cette fois. Ce ne sont plus les auxines qui sont libérées par l'apex et dont je vous avais parlé la dernière fois. Ce sont des gibbérellines, et ces gibbérellines vont, là encore, inhiber l'induction florale et le développement, en tout cas, dans un premier temps, de ces bourgeons floraux. Donc, si je laisse toutes les pommes ici, sur cet arbre, eh bien, je vais également laisser une grosse quantité d'hormones qui va freiner le développement de bourgeons floraux pour l'année prochaine. Il est bien évident que je préfère répartir ma production sur chaque année, et je vais donc me séparer, je dirais, de un petit tiers des pommes présentes là-dessus, puis ça permettra également, par cette sélection, d'avoir des plus beaux fruits hein, qui vont rester. Voilà. Bon, voilà, j'ai donc débarrassé mon pommier d'un certain nombre de ces pommes que j'estimais superflues pour les raisons que je viens d'évoquer. Il en reste, hein, il en reste quand même pas mal. Je vais maintenant procéder à la taille de ce pommier. Je vais procéder à ce qu'on appelle une taille en verre. Alors, on est là début juillet, c'est une période tout à fait idéale pour ça. Hein, on est le 4 ou le 5 juillet, là, et c'est tout à fait indiqué pour procéder à ce type de taille. Les tailles, disons un peu, les tailles trigèmes, par exemple, où on essayait de conserver des morceaux de rameaux taillés plutôt en hiver sur du bois nu, sont un peu révolues. Les approches modernes consistent plutôt maintenant quand même à essayer de respecter les arbres dans leur port naturel. Alors évidemment, ça ne sera pas le cas sur une palmette comme celle-ci. Et la taille en verre présente un autre avantage, c'est une bonne lecture quand même de ce qu'on peut trouver sur le bois, d'une part, et d'autre part, une cicatrisation facilitée par la circulation de la sève qui est effective
actuellement, alors que les plaies qui seront taillées, les plaies qui seront occasionnées plutôt en hiver, ne commenceront à cicatriser qu'à partir de la fin du printemps suivant, quoi. Voilà. Donc on va procéder. Alors je vais très simplement tailler ce pommier, hein. Je vais commencer par sélectionner un de ces trois rameaux ici qui va pouvoir assurer l'élongation de la branche intérieure de mon U. Il faudra que je le tuteur de nouveau et puis qu'on essaye de conduire ce rameau correctement. Et les autres rameaux, je vais les raccourcir, voilà, à peu près à plus ou moins 3 yeux, c'est-à-dire trois nœuds, quoi, hein. J'ai l'endroit où la feuille est insérée, hein, on appelle ça un nœud. Voilà, 3 nœuds à peu près. Et puis, je vais essayer d'obtenir de cette manière des rameaux très très courts qui pourront développer des bourgeons à fleurs. C'est ce qu'on va appeler des coursonnes, hein, par la suite. Une précision peut-être quand même importante. Alors, je vais bouger un peu ça pour me décaler du fruitier. Voilà. Une précision peut-être importante que je vais essayer de vous donner aussi, c'est la manière dont on tient son sécateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont très certainement au courant, peut-être que tout le monde ne l'est pas, il y a un sens pour tenir un sécateur. Hein. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la contre-lame. Voilà, d'accord. Et ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la lame. Et il convient traditionnellement de garder la lame. D'accord, la lame du sécateur orientée vers la partie qui reste. Imaginons que ce rameau soit encore accroché. Il faut bien que j'ai ma lame orientée donc à plat comme ça pour venir sectionner mon rameau comme je vais le faire ici. Voilà, d'accord. Si j'avais la contre-lame contre la partie qui reste, eh bien, je conserverais en terminaison de mon rameau des tissus un petit peu écrasés. Hein, si on veut faire vraiment les choses correctement, il convient d'avoir la lame côté gardée et la contre-lame côté perdue. Voilà, petite précision en passant. Voilà, alors ici je viens de couper ce rameau, ici, qui emporte en fait un deuxième ici en dessous. Ce rameau-là est raccourci peut-être pour devenir une coursonne, et celui-ci je le laisse puisque très probablement qu'au bout on aura un bouton floral en terminaison. Voilà, donc la taille de ce pommier est terminée. Voilà les rameaux en prolongement qui vont me permettre évidemment après tuteurage d'obtenir une élongation un peu de ces branches, donc du double U original. Le reste a été taillé selon les principes de la taille en verre, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Et la remarque que je me faisais également par rapport à la taille des fruitiers, c'est que c'est quelque chose qu'il faut désacraliser un petit peu. On vient écrire des livres, etc., sur consacrer des pages et des pages internet sur la taille des fruitiers. En ce qui concerne le pommier, je vous garantis qu'il suffit d'aller vous promener un petit peu chez un arboriculteur professionnel qui a des centaines et des centaines de fruitiers à gérer, et vous allez voir que la taille se résume à quelque chose de très très simple et pourtant de très productif, hein. Ceci n'engage que moi, bien évidemment, hein. On peut librement penser autre chose, hein. Je vous fais part ici de mon avis, hein, plus que de mon ressenti, hein, mon avis, c'est-à-dire que c'est aussi teinté un peu de mon expérience en fin de compte. Alors, pour vous donner quelques nouvelles du potager, il n'a pas plu depuis 4 à 5 semaines, peut-être un peu plus si on veut parler de pluie significative. Ça fait vraiment longtemps maintenant, et pas une goutte d'eau, hein. C'est très sec. Néanmoins, on réussit, pour ce qui marche bien, à récolter encore pas mal de petits pois, de haricots verts, courgettes, bien sûr. Les haricots sur les rames se développent très très bien. On a encore un chou ou deux qui se développent bien également. Mais les tomates cerises, les tomates dans la serre, c'est plein de promesses. Les Zoya fonctionnent super bien. On n'arrose jamais de manière aérienne, jamais. On se contente de remplir les Zoya et c'est luxuriant dans la serre. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. On a vraiment bien fait de mettre les petits pieds sur les
les bords du tunnel, et puis les plus grands pieds, donc la variété cœur d'Albenga qui est plus haute, beaucoup plus haute, qui est indéterminée, je crois, donc dans le centre. Ça fonctionne très très bien. On est vraiment pressé que ça rougisse maintenant, puisque ça a déjà atteint les gabarits propres à la récolte. Ce qui ne fonctionne pas, eh bien, les betteraves, on s'est tout fait bouffer par les limaces, donc il y a quasiment rien. Côte de bête, on a réussi à redémarrer péniblement, mais elles seront pas à récolter maintenant. Les salsifis, ça marche bien également. Les carottes, alors on a réussi, mais en terrine, ici en pleine terre, il n'y a pas eu moyen de semer des carottes correctement, donc on viendra les repiquer un peu plus tard, selon le modèle présenté par... par Seb, jardinier au naturel, la dernière fois. Et puis les oignons, bon, on a eu une grosse attaque de mineuses apparemment. Plusieurs lots ont été concernés. J'avais presque envie de dire tous, ou presque. Donc même en séparant en lots, en fin de compte, ça ne semble pas avoir... était une solution probante. Je pense que l'année prochaine, on en reparlera, mais j'essaierai peut-être de les vraiment éparpiller complètement notre stock d'aliacés sur l'ensemble des parcelles, de manière très éparse, pour voir un peu si on peut limiter ces phénomènes d'expansion de maladies telles que la rouille, comme on l'a eu sur l'ail ce début d'année. Avant de vous quitter, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Il s'agit d'une demande qui a été, que j'ai entendue à plusieurs reprises, mais qui a été précisée vraiment par un abonné récemment, et je lui ai expliqué que j'allais en parler lors de la prochaine vidéo. Je le fais donc aujourd'hui. L'idée étant, la demande étant de s'intéresser peut-être un petit peu à d'autres pratiques culturales liées au jardin, mais au jardin ornemental, puisque l'argument était que la plupart des jardiniers disposent également d'un jardin ornemental et que peut-être que je pourrais apporter un certain nombre de choses qui touchent au jardin d'ornement. L'idée me paraît intéressante. Il y a un moment, de toute façon, sur ces 150 mètres carrés ici, je pense qu'à un moment donné on atteindra nos limites, et je suis pas, vous l'avez sans doute remarqué, je suis pas trop tour du potager, quoi, hein. C'est pas trop mon la manière dont j'appréhende les choses. Si pour déclencher une vidéo, il faut que j'ai quelque chose à vous montrer, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est vous inviter tout simplement à commenter pour une fois. Alors, je crois que je vous ai jamais demandé de commenter, mais là je vais le faire. Je vais vous inviter à travers un commentaire à me dire si oui ou non, simplement. Alors vous n'avez pas besoin de me faire une littérature, hein, si ça peut être très bref, hein, oui, non, vous souhaitez que j'aborde à l'avenir peut-être d'autres sujets tels que la taille de certains arbustes, ou la taille d'une manière générale. D'ailleurs, c'est un vaste sujet, hein, c'est quelque chose qu'on aborde sur quelques heures quand même avec nos élèves, la plantation, enfin voilà, il y a d'autres choses encore qui sont plutôt liées au jardin d'ornement, qui me concernent finalement plus parce que c'est mon métier, et puis de cœur également, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, et avec des notions agronomiques qui sont tout à fait... applicables, hein, qui se retrouvent vraiment dans les pratiques potagères, en tout cas. Voilà, donc il faut quand même comprendre que je ne dispose pas de jardin moi-même, et que je ne serai pas en mesure toujours d'être dans la démonstration de ce que j'explique. Hein, ça passera peut-être par d'autres choses, de manière peut-être un petit peu plus magistrale. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'essaierai autant que faire se peut de me trouver face à des végétaux qui pourront m'aider à montrer en tout cas ce que j'explique, mais ça je le garantis pas. Après, voilà, vous serez même, ça peut être oui là aujourd'hui, et puis un peu plus tard, bah, finalement non, ça, tel que tu le fais, ça nous convient pas, etc. Voilà, moi je peux tout entendre, hein. L'idée, c'est simplement que je me lance pas, que je me lance pas là-dessus. Ça demande quand même un peu d'énergie sur un non général, quoi. Voilà. Hein,
voilà, je veux, encore une fois, je vous le demande, pour une fois, si vous voulez bien vous exprimer sur cette question, ça me rendra bien service. Je vais être très attentif à vos coms, comme je le suis toujours, mais peut-être avec une attention un petit peu particulière sur les réponses que je pourrais avoir à cette question-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et je vous donne rendez-vous à très bientôt au potager qui dit non. Ciao.